Yeah. Bon, bah on a de quoi les lancer de toute façon. Tout, tout, tout. Ok, ah bah en plus, j'ai 5 chevaliers soignés en mort et on a 5 d'offert. Youpi. Nanananananananan. 85 de nuit, bordel. Attribuez-le aussi en Nizar. Vassaux qui m'accompagne ou égal avec vos vassaux? Pas égal avec les vassaux. Bien. Maintenant, il faut que je lui attribue un. Il faut que je vais lui attribuer Serindia parce que j'ai vu qu'il a pas de village. Ah ouais, mais ma capitale est par là. T'en fais pas, mon petit. Tu vas l'avoir, ton fief. Tu n'as toujours pas de pièce, mon gars. Mais je serais ravi de te prendre juste après. Coup de clé. Sort dans la grande salle. Le sire Nizar. Increase in the days when we are traveling companion. Ah d'accord. C'était Serindia, Sarimish. Bon bah pas Gundur du coup. Ah d'accord, il a un château et un village, c'est ensemble. Voilà, donc j'y confie des terres. Bon, certes très éloignées l'une de l'autre, mais bon. Pas non plus alors Balanli ça appartient à qui surtout, ça que je me pose comme question. Voilà. Ça a été une belle bataille. Ah, j'ai mis... N'empêche, certains des modes que je préférais, ça restait quand même ceux qui permettaient de recruter des soldats en ville quand même. Et pas simplement des mercenaires. Oh, tant pis. À la taverne. Et personne ne m'aime, je trouve ça génial. Je suis seigneur d'une ville qui ne m'aime pas. Prendre une décision. 3 recrues soignantes, yes. Vous avez fait le bon choix, les gars. Maintenant, il faut que j'empêche tout siège de Grunwalder, hein, le temps que ça se renforce. Toi, t'es un voyageur, toi, t'es un rançonneur.
contre, toujours pas de mercenaires. Il y a un village qui est pas pillé pour une fois? Non. Comme c'est étonnant. Erguelon château. Oh, ils peuvent aller assiéger. Hein. Oui, 15 volontaires quand même. 15 hommes de clan Rodok. Lose. Grosse lose. 33 défenseurs seulement. Oh mais hippie, d'accord. Pas mon souci. Plus maintenant en tout cas. De toute façon, faut que je recrute des hommes. Hein, bon. Je remarque que les soignants se font quand même dérouiller de partout. Ils perdent beaucoup de territoire. Ouais, je pense que je pourrais uploader les épisodes. Hein. C'est... Ma connexion a l'air d'être assez stable. Oh oh. Et j'ai pas de chevalier donc. J'ai même pas de cavalerie d'ailleurs. Moi je vais même pas test. Il fait du 4-5 quand même cet enfoiré. Il fait du 4-8, bordel. Ce con est presque aussi rapide que moi. Voilà, Jérémus est de retour. Alors Jérémus, je crois qu'il était médecin lui. Le peuple est neutre. Cette terre n'appartient à personne. Oh. D'ailleurs, je pourrais piller tranquille. Je crois que tout le monde me fait la guerre, mais je vais quand même vérifier. Ouais, tout le monde me fait la guerre. Ceux qui m'aiment quand même le plus, ça reste les soignants. Et ceux qui m'aiment le moins sont les Rodogs. Bon, ça c'est pas étonnant, je leur ai pris quand même 3 terrains. Dont une ville quand même. Et c'est pas fini. Ok, il m'a lâché, c'est parfait. Serendia est pillé, m'en tamponne. Mecs, ils sont limite de m'aimer, mais ils veulent pas me rejoindre. Blablabla. Oui, j'accepte l'offre. C'est comment pas faire de guerre éternelle, sérieux, c'est. Ça rapporte trop d'argent. Pour peu qu'on ait rien que 100 chevaliers, ça rapporte. Je crois que je vais quand même me trimballer au moins 50 mecs parce que 510. Ouais, les revenus de Velucha sont vraiment en train de diminuer. Non, si c'est pas à cause de l'imposition. Oh là, lui speed hein. Mais t'as aucune chance mon gars. D'accord, tu vas mourir. 21 contre 26, tu n'as aucune chance. Ok, bon d'accord, tu as une petite chance. Surtout avec l'autre abruti qui vient de se prendre un arbre. L'avantage des Rodogs, c'est qu'on... Oui, je le dis toujours, mais... Je le dis à chaque fois, mais c'est tout de suite où est leur officier, c'est ça qui est bien. Tiens. Ah, piéton comme les autres. Ah, j'ai mis 23 points quand même. C'est pas un petit génial, mais ouais, c'est quand même.
Tiens, enfoiré. Ouais, c'est cool, c'est plus entraîné que les miennes. Hein. Bon, bah, les meilleurs survivants, quoi. Moi, en attendant, je tue les arbres à l'étrier. Hein. Faire charger de la bleuzaille, ça sert surtout à ça, en fait. Ça sert à éliminer les soldats les plus dangereux de l'armée ennemie. Alors, les occupants. À se battre avec des bleus, bah du coup on peut envoyer nos meilleurs gars tuer leurs meilleurs gars. Artiménaire toujours meilleur, incroyable. Ouais, d'habitude les compagnons se font partie. Arcutic Command font partie des premiers à crever. En fait, il est quasiment le dernier survivant. Victoire! Victoire! T'as perdu ton château et t'as perdu ta liberté. Donc, quoi, faut pas trop en demander. Que 20 items. Ça fait beaucoup. Gagné en droit en régner. Bienvenue, Baïchto. Comment ça, mes relations ont diminué? Oups, non, attends. Ouais, mais c'est un Vagir, ça. Je suis pas habitué à la couleur des Vagir. Hein. Oh. Ils sont un peu nombreux. J'ai pas envie de refinir prisonnier. C'était une expérience particulièrement désagréable. Par contre, il suit les routes et ça, c'est énervant. Du coup, en fait, le personnage est assez prévisible. Oh, pour se faire démonter, hein, c'est parfait. Vagir et rejoint le Khanat Kargit. Bon. Ok, j'ai vérifié juste. C'est. Oh non. Y'a pas les bandits qui vont s'y mettre aussi. Moins 27. Ah, c'est peut-être dû au pillage. La vache. En train d'être pillé. Oh, si c'est que ça. J'ai réussi à rentrer. Acte de défense. Oh là là. Là, ça commence un peu à partir en cacahuète. Il commence à s'allier contre moi. Bon, enfin, s'allier. Tous s'allier les uns contre les autres, mais bon. Attendez, je regarde un petit peu. Trêve, donc déjà Nordique, ça risque de partir en couille. Surtout qu'ils ont de faibles relations. Vagir et Kargit, peu de chance. En tout cas, c'est moins probable. Ingir risque de partir en guerre contre les Nordiques encore. En tout cas, c'est le plus probable. Les Kirghiz contre les Vaigir dans 3 jours. Les Nordiques contre les Swadiens. Les Roudok contre. Bon, le plus probable, les Kirghiz. Et les Saranides. Plus probable, les Swadiens dans 10 jours. Ça veut dire que ça peut. Ils font des pactes, tout ça, mais ça peut.